La France, pour moi, c'est le centre neurologique de la gastronomie mondiale, mais pas seulement ça, c'est là où je suis voulu venir quand je suis parti d'Argentine. Je suis Mauro Colagreco, chef de restaurant Mirazur à Mentone. L'événement qui va se passer ce soir, c'est vraiment transcendantal parce que c'est un vrai positionnement de Relais Chateaux vis-à-vis de la nouvelle génération de cuisiniers. Ici, au Palais de Tokyo, dans un musée d'art contemporain très moderne, avec une artiste qui fait des accompagnements, des interprétations de chaque univers du chef. Fanny Bouyagou, il a interprété l'univers de chaque chef, il a fait une ambiance pour chaque chef, qui a su, à mon sens, il a su vraiment interpréter et valoriser chaque univers de chacun d'entre nous. Pour moi, c'est vraiment un plaisir et un honneur d'avoir été convoqué à côté de tous ces chefs qui sont la cuisine d'aujourd'hui, la cuisine de demain en France, comme Alexandre Gauthier, Sébastien Bras, Jean Sulpice et Shinichi Sato. On a voulu faire quelque chose de fort parce qu'on pense que c'est une grande opportunité. Ce qui est en train de nous donner Relais Chateaux, de vouloir casser les codes. Le poulet qui a perdu la tête. En fait, j'ai conçu cette recette en partant du regard des enfants d'aujourd'hui vers les animaux qu'on mange, comme les poulets. Ils ont plus de conscience et de contact avec la nature. Donc on a fait un plat à partir de ça et on pense qu'on l'a bien réussi.